Deuxième sur 150. C'est le classement très applaudi de ce candidat qui concourait avec ses collaborateurs à ce premier concours d'orthographe inter-entreprise. Le groupe JTI à Lyon, prestataire pour les sociétés intérimaires, est arrivé premier sur 13 entreprises. Surpris. Surpris quand même. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est un beau défi, quoi. Je me suis lancé ça, ben voilà, maintenant c'est bon. Le QCM d'orthographe, le questionnaire à choix multiples, a donné du fil à retordre aux candidats, bien plus que la petite dictée. Ce concours a été organisé grâce au projet Voltaire, un logiciel de perfectionnement en orthographe, mis au point par la société lyonnaise Wunos. On a identifié qu'il y avait une problématique d'orthographe dans les entreprises, mais que c'était tabou. Donc ça a commencé tout doucement, et là on sent que c'est en train de se démocratiser, que les gens n'ont plus peur, même plus honte de parler de leurs problèmes d'orthographe. Les salariés ont travaillé seuls et en équipe pour relever ce défi lancé par le chef d'entreprise. On a fait une petite session vendredi après-midi pour s'entraider, s'entraîner. Et ça m'avait paru beaucoup plus fastidieux, mais déjà il y avait beaucoup plus de questions, c'était plus long. Donc en termes de concentration aussi, on n'est plus habitué à rester concentré comme ça. Les trois premiers de cette société ont aussi reçu une prime de l'entreprise. Ce concours a resserré les liens entre les salariés, heureux d'avoir réussi ensemble ce challenge.